Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 77 de Stage 1. Et nous allons jouer à un des Need for Speed qu'on n'a pas encore fait. C'est Need for Speed Underground 2. On fera pas le Underground normal, on va faire que le 2. Et donc c'est parti, on va jouer en mode carrière, tout simplement. Allez, on va faire un carrière donc. Reprendre. Non, on commence une nouvelle carrière. Alors, on s'appellera Sylvanus. Sylvanu, ouais, parce que là, il s'y rentre pas, évidemment. Écraser la sauvegarde, oui, je sauvegarde, je continue, super. Et on va avoir une petite vidéo cinématique, peut-être, sur le début. Un rechargement qui est assez rapide, voilà. Moi, c'est Rachel, la copine de Samantha. Il paraît que tu viens d'atterrir ici. Alors, bienvenue à Bayview. Au cas où t'aurais pas deviné, ce que tu entends, c'est le SMS de la bagnole, le système de messagerie instantanée. Je sais pas si tu connais, alors je l'ai réglé pour une utilisation débutant. Lis les instructions pour comprendre comment ça marche. Bon, jette un œil à la carte, elle est simple à utiliser. Alors familiarise-toi bien avec. Et oui, si c'est la ville, t'es plus à la campagne. Bon, j'ai besoin de ma caisse. Donc c'est parti, on a le contrôle de la voiture, on peut démarrer. Donc il faut ramener sa voiture au garage, comme elle a dit. Donc déjà, je n'ai pas vu le mur. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, la Nitro elle fonctionne. Le graphisme. Yo, Rachel, tenté par une course? Il parle. Y a une bande de minables sur les circuits. Ils veulent faire une course. L'occasion de t'en mettre plein les poches. Je t'indique l'endroit. On se voit là-bas. Non, non, bah, il m'a coupé dans mes paroles. Donc je disais, on va suivre la flèche. Donc on remarque au niveau du la direction, au niveau du graphisme, c'est plutôt joli. C'est plutôt bien foutu. L'argent, oui, ça doit servir, mais pourquoi il nous l'affiche tout le temps sur l'écran, je sais pas. Hey Rachel, quoi de neuf? On voit, donc, on roule vite. On est déjà à 220 km/h en ville. Ou sur le périphérique, du moins, c'est pas mal. On remarque quand même que la voiture en elle-même était bien faite. Ouf. Par contre, la direction, elle laisse à désirer. Vous avez vu comment la voiture, elle part. En même temps, à 200 km/h, je veux bien comprendre, mais... On fait un 2 secondes au 100, là, c'est assez impressionnant. Ah non, là. Fallait prendre le virage. Ah, je voulais juste tourner. Je voulais juste tourner, j'ai fait un demi-tour. Ah, pour la preuve que la direction est assez bizarre, ou alors c'est la voiture qui est trop puissante. Ouais, con. Là, à gauche. Voilà. On va essayer de s'habituer au contrôle, hein. Chaque jeu de voiture est différent, donc le contrôle change un peu à chaque fois. Donc là, il faut s'y habituer, donc on continue tout droit. Donc là, on continue encore tout droit. On va changer. Donc on va ramener donc sa voiture là-bas au garage. Ouais, on va essayer. C'est pas encore gagné, mais on va essayer. Hop là. Donc le garage est là-bas, c'est le point bleu sur la mini-carte en bas à gauche. En haut à gauche, par contre, ça va être les messages qu'on reçoit. Pas tout à fait compris comment ça fonctionnait. Il nous affiche aussi notre compteur tour, non? En dessous du compteur normal, il y a un compteur tour, il me semble. La nitro en bleu autour du compteur. Et là, j'ai dépassé le point bleu. Il faut que je revienne en arrière parce que j'ai foiré. J'ai pas pris la bonne route. Ouais, je me suis pas arrêté, quoi. 125, hop. Hop, j'ai un accident en plus. Mais qui n'est pas très grave. Ma voiture a fait un demi-tour, encore. Voilà, donc il faut s'arrêter là-bas aux lumières bleues. Faut y aller par ici. Hop là. Et on appuie sur... Quelle touche? Tab, espace, non? Voilà. Veux-tu vraiment entrer? Oui, je veux rentrer. Bon, c'est cool. Alors, pouvoir remplacer ta caisse ruinée. Je vais pouvoir prendre une vraie caisse. Enfin, celle-là, elle était bien. C'était la caisse de la voiture. La caisse de la femme. Je dis n'importe quoi. Ça enregistre. À chaque fois qu'on revient au garage, ça enregistre. Oui, pour enregistrer, c'est comme ça. Faut revenir au garage. Ou... Peut-être à la fin des épreuves, ça enregistre. Mais il me semble que c'est en revenant au garage que ça enregistre. Très bien. Maintenant que t'as une bagnole, direction Montréal. Alors, j'ai troqué la super voiture de fou contre une Clio de merde. Ou une Peugeot de merde. J'ai n'importe quoi. Confondre une Peugeot et une Clio, faut le faire. Sauf Market. Alors, c'est pas tout en français. Faut se dire quand même, bon, il est déjà bien. Alors,
On va suivre la direction qu'il nous donne. On va aller faire une course là-bas. Le point violet que vous voyez avec cette voiture. On peut aller faire une petite course sympathique. Elle roule pas aussi vite que l'autre, elle a pas autant de puissance. Hein. Avec l'autre, j'étais déjà à 200. Hein. Alors. Ah, la ville est vachement bien éclairée la nuit, quand même, je trouve. Il fait sombre, mais c'est très beau. Tout est très beau. Ils ont peut-être forcé sur le côté fantastique ou artistique plutôt. Parce que c'est pas non plus, c'est pas très réaliste, on va dire. Et c'est très forcé. Allez, en ligne droite, j'arrive à me vautrer. Alors, il est là le point, il est là-bas la lumière violette. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas une course. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas suivi ce qu'elle m'a dit, mais c'est pas une course. C'est un garage. Voilà, c'est un autre garage. Voilà, dans mon garage. Je vous ai dit n'importe quoi. Alors, retour en mode exploration. Tu sais que sans voiture, changer pièce, sauvegarder. Non, mais en fait, je m'en fous. Moi, je veux explorer. La voiture, on en a qu'une. Les pièces, on a pas d'argent. Donc, on va sortir, en fait. Voilà. Ah, coup de téléphone. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais deviné. Je t'ai transféré les emplacements des courses sur ta carte. Fonce là-bas. Il faut que tu te fasses un nom. Ouais, donc elle m'a donné des emplacements de course là, les cercles bleus, le clair bleu foncé, on va prendre le bleu clair, on va essayer de la faire. C'est où ça? C'est là? Ah oui, c'est là. Regardez, là c'est une course, ah enfin. Alors quand on accepte la course, il y avait une récompense, j'aurais dû regarder un peu plus longuement. Donc c'est une course. Kings of the Stone. Hop, la reine de l'âge de pierre. Les reines. Hop là, donc là, il va falloir faire 4 tours, non, 3 tours. 3 tours et je suis 2 sur 4ème et il faut faire 3 tours. Hop là. Ça va, c'est pas trop dur vu que c'est les premières courses. Et on se casse pas trop la tête. Hop là. La direction, elle est beaucoup mieux que ces voitures, je trouve. Peut-être parce qu'elle accélère beaucoup moins. Elle a beaucoup moins de puissance, donc c'est beaucoup plus facile hein. À manœuvrer, même si c'est pas non plus la joie encore. Meilleur temps au tour. Et allez, le dernier tour pour la route. Petite course très rapide. Oh là 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 là, non, j'ai pas envie de me faire doubler. Surtout que l'autre, elle me colle au train. Ah là là, elle est derrière. Elle a pas intérêt à passer. Allez, voilà. Tu as gagné. Content, 53-58. Voici Venus. Je gagne. 250$ et des points de réputation, c'était plutôt sympa. Et voilà, ça sauvegarde, comme je disais, à chaque fin d'épreuve. Donc voilà, ce sera tout pour Need for Speed Underground 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.